Mouthpiece in, seconds out. Wrong man did that to me. It worked. Mouthpiece in, seconds out. Finish it off, yo. Bon gosse, moi c'est mieux avec la barbe. J'aurais dû la laisser en fait. J'aurais dû la laisser. J'ai pas. J'ai été con, mais en fait j'ai mal réglé mon truc ce matin. Je vais juste égaliser quoi. Et puis en fait ça a coupé la moitié. Je suis dégoûté. Make my day. Vous allez être moyenne. Vous allez être mollasse. Un peu mollasse toi. Tu t'es torché la gueule encore hier. Oh, laissez-moi tranquille. Jérémy Lavinas quoi. On va l'appeler comme ça maintenant. Oh. Bonjour. Et bienvenue dans cette opération frisson. Bon là au départ j'avais décidé de faire une spéciale. Quelque chose en toi ne tourne pas. Bon en fait on a décidé qu'on faisait pas ça. Fucking embarrassing. Waste of our time. Fucking waste of our time. Mais non en fait, vu les temps qui courent, l'esprit de la fight, du combat, du sacrifice, du dépassement de soi est plus que jamais nécessaire. Ce sera donc une spéciale. It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last known survivor starts his prey in the night. And he's watching us all in the eye of the tiger. Magnifique. C'était beau. It's not that bad. It's not that bad. Eh ouais mes braves, pas de Star Wars ni de Tarantino ce mois-ci pour cause de mauvais timing, hélas, mais une belle brochette de sorties ciné néanmoins importante qui témoigne toutes de la nécessité d'aller tout au bout de mes rêves, bam, bam, bam. Tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Alors moi je veux bien chanter Eyes of the Tiger, mais Téléphone et Goldman, mais c'est si, mais, trop tard. Mais c'est ça qui est beau, c'est le mélange des gens. Puis en plus il y a un leitmotiv dans l'émission, vous allez devoir la chanter trois fois celle. Tu vois, moi on l'a fait bah oui. D'ailleurs, la plupart des films que j'ai sélectionnés ce mois-ci, sauf le plus attendu probablement, ont le mérite de témoigner de l'éthique à géométrie variable qui caractérise notre époque, pour ne pas dire l'histoire de l'humanité. Exact. Now you're paying attention. Faut-il se battre pour soi, pour les autres, pour une vision progressiste du monde, ou considérer qu'il en va de l'homme de remonter perpétuellement son rocher en haut de la colline avant de retomber comme une merde et persister à croire qu'un jour il restera au sommet. You're a good kid, a good fighter. But you got your whole future ahead of you, mine. Back there, like all them guys on that wall. Vaste débat philosophique auquel je n'essaierai pas de me frotter, mais que nos films du mois, sous couvert d'intrigues séculaires, traitent en filigrane avec plus ou moins de réussite. You think it's that important? Yes, I do. Vous l'aurez compris, ça va blasphémer gentiment, mais en même temps, le blasphème n'est-il pas le seul salut qui nous reste? Comme d'habitude, nous allons donc commencer avec un film qui correspond pas vraiment farfaitement, mais un tout petit peu à ce que je viens de dire. I know there's things you cannot tell me. But I also know there's a story here, and I think everybody will hear about it. Do you think your paper has the resources to take that on? I do. Do you? On attaque cette émission avec le film oscarisable par excellence, dont tout le monde prédit qu'il va rafler tous les Oscars, et qui, à l'heure où vous verrez cette émission, en aura sans doute gagné un paxon dans un grand élan de dithyrambe qui ne trouvera personne pour hurler « pas d'amalgame ». Are you out of your mind? Je parle bien sûr de Spotlight, hommage old school au journalisme d'investigation et réquisitoire à tendance agnostique contre une église qui systémise les crimes pédophiles de ses affidés. Mais si le film a a priori tout le confort moral et intellectuel garantissant son inéluctable célébration, il propose un petit twist de perspective sympathique à défaut d'être génial. When you're a poor kid from a poor family and when a priest pays attention to you, it's a big deal. How do you say no to God? Retraçant l'enquête des journalistes du Boston Globe, qui dévoilèrent le scandale impliquant 90 prêtres pédophiles et le système crapuleux d'une église qui en organisa l'omerta, Spotlight possède un sujet tiré d'une histoire vraie absolument imparable et prompte à susciter l'indignation qui, je le rappelle, est devenue désormais l'alpha et l'oméga de nos revendications politiques.
Et alors quand je vous dis Spotlight, c'est l'histoire des journalistes du Boston Globe qui enquêtent pour révéler le scandale des 90 prêtres pédophiles. C'est exactement ça. En fait, t'as pas besoin de dire plus. Ils enquêtent. Et ils dévoilent le scandale. Voilà. Oscar. Son écriture ciselée, procédurière, qui file tout droit, sans mise en perspective métatextuelle ou philosophique, son véritable arc de personnage, mais implacable dans son authenticité sans phare, est elle aussi imparable. Pour finir, son casting monstrueux qui, de Liv Schreiber à Mark Ruffalo en passant par Michael Keaton, sauve par leur génie des personnages en majorité unilatéraux, et vous l'aurez deviné, imparable lui aussi. Reste alors la mise en scène, qui à mes yeux est l'alpha et l'oméga d'une œuvre de cinéma. Une mise en scène d'une platitude infinie, composée à 70% de chant contre chant. Tom McCarthy, acteur que vous avez vu plein de fois et réalisateur de petites comédies arty, a beau citer Les Hommes du Président, Révélation, Twister, j'allais dire. J'allais dire Twister. A beau citer Révélation, Network ou Les Hommes du Président, pour justifier d'une approche qui tient essentiellement au décorum, jamais le film ne propose le quart de l'audace visuelle qui habitait les œuvres précitées. Quand tu vois tous ces films-là, il y a une vraie proposition cinématographique de ouf. Il y a des audaces dedans, il y a des choses qui sont complexes. La scène finale de Network entre le présentateur et le patron de la chaîne, elle est au niveau des cadres, au niveau du sens véhiculé à l'image, c'est pas juste une illustration du scénario, il y a Sidney Lumet derrière, et ça se voit. Il y a des évolutions de personnages, il y a des conflits, il y a des dilemmes. Là, il faut attendre 1h40 de film à la fin pour que Mark Ruffalo s'énerve 35 secondes. It's time, Robbie. It's time. They knew and they let it happen. Two kids. Et là, tu fais waouh. Mais bon, le cadre est sauvé par un montage parfait, tendu, sans bout de gras, qui s'avère lui aussi imparable. Authenticité, référence prestigieuse, sujet indiscutable, forcément, c'est imparable. Mais autant d'imparables qui en font une œuvre de fiction respectable ne l'empêche pas à la première vision de simplement ressembler à un téléfilm de luxe totalement conventionnel dans son approche cinématographique et qui jamais, mais alors jamais, ne déstabilise vraiment son spectateur. Et le problème que j'ai avec Spotlight, moi, c'est que ça ne me déstabilise jamais. Et je n'ai jamais rien de plus que ce à quoi je m'attendais. Donc tu dis, ok, tu fais un film qui a 90% sur des journalistes qui mènent une enquête. Donc le cœur de ton récit, il est là. On s'en fout du scandale, à la limite. Donc qu'est-ce que tu essayes de me dire? Qu'est-ce que tu essayes de me montrer? I think that's the bigger story. Et pourtant, Dieu sait que renifler sous la culotte du curé devrait en mettre certains mal à l'aise. Alors pourquoi le film fait-il son petit effet? C'est qu'en réalité, il joue de façon purement émotionnelle sur un effet miroir entre le journalisme à l'éthique triomphante et une église à l'éthique vacillante et sur une utopie humaniste à laquelle on voudrait croire. Pour faire grossier, les journalistes sur lesquels le film s'intéresse à 90% sont des prêtres dans le sens fantasmé qu'on y accole. La rédaction dans laquelle ils s'enferment est un temple et leur sacerdoce, porté par une foi inébranlable, est au service d'une vérité altruiste dont les prêtres incriminés devraient être, dans l'inconscient collectif, les garants. Cet effet miroir, caricatural en soi, s'avère finalement galvanisant, non parce qu'il serait blasphématoire, le film ne l'est jamais, mais parce qu'il replace l'individu et son libre arbitre comme seul opposant possible au système. C'est pas un film qui est célébré parce que c'est du cinéma, hein. Il est célébré pour son sujet, pour son histoire vraie, et pour justement cette vision totalement utopiste, et on a besoin de croire qu'il existe véritablement des mecs comme ça. Tout est drivé que par ça, en fait. Du coup, ça en fait un film extrêmement rassurant, extrêmement moral, et qui ne met en perspective rien du tout, au final. Après, faire attention, c'est un film comme ça aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'ici aux États-Unis, c'est... tu touches à un truc qui est vraiment dangereux, mais justement, ça ne se mouille pas vraiment. Moi, je trouve ça un peu léger. Par rapport à l'ampleur qu'on donne à la reconnaissance de ce film-là, je trouve que, bon, tu vois, en même temps, il y a Straight Out of Compton nominé aux Oscars en scénario. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait... Vous avez pas mis Mad Max, mais vous avez mis Straight Out of Compton en scénario. C'est d'accord, ok. Vous me direz, la morale est sauve, et c'est bien ce qui m'emmerde un peu, mais je préfère quand même l'utopie au fatalisme. Bref, c'est un petit peu Rocky contre Creed, et ça tombe bien, puisque c'est de Creed qu'on va causer maintenant. Alors ça... Tu vois, c'était la conclusion fastoche, mais je l'assume. Je l'assume pleinement. Tout en ayant... Ah ! Ah là 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 là
Ça me donne envie de revoir Rocky, moi. Take it back. Et Rocky 2. Et le 3. Mr. T, là. Tu es vénère. C'est des films où t'avais envie de taper tout le monde en sortant. Tu vois, Creed, t'as envie d'aller prendre un biberon. T'as pas envie d'aller taper des mecs en sortant. On continue cette émission avec un film que j'attendais de manière fantasmatique, tout en n'étant pas sûr d'y croire vraiment. Eh ben, j'ai pas été déçu, puisqu'effectivement, on peut l'apprécier de manière fantasmatique, tout en ayant l'honnêteté de reconnaître qu'on ne peut pas y croire. Je parle bien sûr de ce nouveau doudou fait film qu'est Creed, utopique adieu aux armes d'un mythe du Cinoche dont le précédent film était déjà un adieu aux armes et dont la proposition colle tellement à l'aveuglement nostalgico-névrotique de notre époque qu'on peut savoir que c'est de la merde et trouver ça cool quand même. Chronique schizophrène en deux temps. Donc. This guy here, that's the toughest opponent you're ever going to have to face. I believe that's true in the ring and I think that's true in life. Pour ne pas trop charger la mule à tous ceux qui, plombés par le cynisme de notre monde, agrippent voracement tous les biberons qu'on leur donne pour peu qu'ils replongent dans l'insouciance, je dirais que Creed est un divertissement regardable. Pas honnête pour un sou, mais regardable, tant il fait tout pour conserver le cordon ombilical qui le relie à la saga Rocky, en essayant, vainement il s'entend, d'offrir un réel passage de flambeau qui lui aurait empêché de marcher maladroitement dans les pas de son père. Regardable comme un téléfilm spin-off sans grands enjeux qui aligne les passages obligés présupposés dans Rocky avec déférence. Regardable enfin parce que Ryan Coogler tente tant bien que mal d'imposer sa marque à coups de plans séquences réussis et de love story touchante au sein de contraintes rétro impossibles à faire exploser. Ils sont allés chercher le mec de Fruitvale Station, qui est un film qui m'a fait chier, moi, c'est un truc arty, Sundance-like, je m'en fous. Mais du coup, t'as un mec qui accepte de rentrer dans une machine avec des contraintes énormes, mais où le mec, il essaye de tenter des trucs. L'histoire d'amour entre Creed et la jeune Black, meuf un peu rebelle, qui correspond pas du tout au type en face, la façon dont il s'approche, la scène où ils s'embrassent pour la première fois, les cadrages, c'est du cinéma arty. Mais tu dis, au moins, c'était pas dans Rocky, ça. Quand le mec il dit bon mais je vais tenter de faire tout un fight en plan séquence, c'est pas le truc le plus galvanisant de la planète, mais tu dis t'essaye, il a essayé, rien que pour ça, tu vois, rien que pour ça, je respecte un peu plus Creed que je vais respecter Jurassic World ou Star Wars qui n'essaye rien, mais rien, il n'y a même pas un quart de plan qui soit une tentative de faire quelque chose de différent et de nouveau. Alors oui, s'il suffit de voir Stallone en coach mourant, d'écouter un sample de Bill Conti, de voir un entraînement en mode accéléré, une course dans la ville, et une fight à la « vas-y je morfle, mais en fait je gagne à la fin » en faisant un bisou à l'ersatz d'Adrian pour faire croire que je suis allé tout au bout de mes rêves. Alors Creed remplit parfaitement le médiocre contrat qu'il s'était fixé et devrait satisfaire tous ceux qui n'attendent plus rien d'autre que des reboots déguisés de leur Madeleine, quand bien même ces derniers ne comprennent rien au mythe qu'ils sont censés célébrer. On vous fait bouffer de la merde, on vous fait biberonner ce que vous attendez, parce que de toute façon vous n'arrivez pas à sortir d'un fantasme, parce que vous avez besoin viscéralement, je ne juge même pas les gens. C'est ce que j'essaye de te dire quand je te parle de Star Wars aussi, moi. Moi quand j'ai commencé Star Wars, j'ai vu les 30 premières minutes, j'étais comme un gosse. J'étais content, j'ai dit, ah, c'est cool, ah, c'est cool la bataille, ah, c'est cool, les personnages sont rigolos. Bon, après le film a fait... Au bout d'un moment, j'étais là, c'est plus possible. Mais pareil, dans Creed, qu'est-ce que je te dis? Moi, j'adore voir le fils d'Apollo Creed qui est comme ça en train de s'échauffer, j'adore voir Stallone avec son petit truc, et qu'à la fin, quand on te met la musique, tu dis, ah, c'est cool, mais en fait, quand tu regardes et que tu essayes de dire, ok, d'accord, alors, hormis les trois gimmicks que vous avez piqués au premier film, hormis la structure que vous avez totalement piquée au premier film, c'est quoi votre truc en fait? C'est quoi votre différence? C'est quoi votre singularité? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Ben rien d'autre. Voilà! Maintenant, la réalité, c'est que la profession de foi de la chose, si l'on nommait sa dimension mercantile, ne résiste hélas jamais à un examen rigoureux. Le thème de la filiation, qui était le sujet du chef-d'œuvre précédent, se ramasse sur l'autel d'incohérences scénaristiques tellement flagrantes qu'on s'étonne que personne ne les voit. L'idée de la seconde chance est tuée dans l'œuf dès lors que le héros bourge a tout à perdre. Le contexte populaire du film et sa mise en scène, une Madeleine encore, est en décalage total avec les enjeux du personnage. Le pire étant que ce dernier n'a non seulement plus vocation à se faire seul un nom, presque forcé à rentrer dans le rang du mythe fantasmatique d'Apollo Creed qu'on lui impose, mais encore se confond-il au final avec le mythe Rocky lui-même, dont le thème musical supplante sa propre victoire, au point qu'on ne sait plus qui est qui. Je vais arrêter de croire
que le fanservice qu'on vous balance de manière grossière et lourdingue serait le quelconque signe d'une complicité émotionnelle par rapport à une époque fantasmée qu'on aurait tous vécu dans notre jeunesse et tous, tu vois, on partagerait tous notre Madeleine. Ah oui, on adorait ça, on vous fait plaisir, mon cul. À l'instar du Réveil de la Force, de Jurassic World ou de Terminator Genesis, autre grand nanar doudou qui ne joue que sur nos fantasmes d'adolescents sans chercher à comprendre l'exigence artistique qui a suscité ces mêmes fantasmes, Creed se noie dans ses velléités schizo à trouver une singularité dans le mimétisme. Le syndrome de Major Cynic, qui savent capitaliser sur le fantasme de franchise célèbre, l'approche rétro feignant le fanservice sincère, en se gardant bien de rappeler que les chefs-d'œuvre sur lesquels ils font leur beurre étaient tous des œuvres uniques, inattendues, sur lesquelles personne ne misait en copec à l'époque, et dont le succès fut retentissant parce que justement, elles contraient par leur innovation le système en place. Moi, c'est ça qui me fout le plus en rogne. C'est pas qu'on essaye de faire un reboot, je m'en fous, moi. Moi, pourquoi pas te dire, bon, ok, Stallone est le vieux, mais on va pas perdre l'idée de superbe de cette saga, et on va la transposer à travers un autre personnage, Creed. Pourquoi pas? Mais alors, comprends ce que c'était Rocky, quoi, à l'époque. Et fais-moi un truc totalement différent. Fais-moi un truc nouveau, fais-moi un truc qui comprend ce personnage, qui est pas du même contexte, qui n'a pas la même histoire, et qui essaye de porter la même idée. Cette idée incroyable de Rocky, c'est-à-dire le pauvre gars qui est exclu du système, qui tout d'un coup va le contrer et va donner tort à tout le monde. Comme Star Wars était un film qui a donné tort à tout le monde. Il est sorti de nulle part, personne ne voulait le faire. C'était des films qui étaient contre les normes, contre les conventions, contre le système. Les films qu'on vous propose rétro aujourd'hui pour vous biberonner comme des gosses sont des films de système. Bref, une suite dont la démarche exclusivement industrielle nous intime de regarder en arrière et de ne surtout pas s'émanciper. Sucez vos biberons, les vaches à lait sont bien gardées. Now, something completely different. London in the 1960s. Everyone had a story about the craze. Legend. J'aime pas ce titre, en fait. They were brothers. But bound by more than blood. They were twins as well. Je sais pourquoi ils l'ont fait, mais j'aime pas ce qu'ils. Ron Cray was a one-man London mob. Bloodthirsty, illogical, and funny as well. Sur la tombe, je crois, l'un des frères Crays, ils avaient marqué ça, genre Reggie Crays, legend. Mais j'aime pas ce qu'ils. My Reggie was different. Once in a lifetime do you find a street fighting man like Reg. Il est bizarre ce film, il est très bizarre, hein. Il va pas plaire à beaucoup de monde. Hein. Believe me when I say, it took a lot of love for me to hate him the way I do. Pour finir, encore une belle brochette de personnages qui veulent aller tout au bout de mes rêves, mais qui sont si tarés, schizophrènes et dégénérés qu'ils finissent par se ramasser comme de grosses otaries bourrées à la bière. Wow, non. Je parle bien sûr des frères Kreese, célèbres gangsters londoniens des 60s que Brian Helgeland a décidé de remettre au goût du jour dans Legend. Une autre sortie ciné, c'est la fête. Une autre sortie ciné, c'est la fête. Que d'aucuns imaginaient grande fresque classieuse, mais qui est en réalité une petite pantalonnette subversive qui s'amuse de son amoralité. You know, we're talking about being gangsters, right? Which is what we are. So you just fuck off, good. Don't. Avec un Tom Hardy jouissif dans le rôle des deux jumeaux et Brian Helgeland aux commandes, qui, je le rappelle, est le scénariste de Man on Fire et Mystic River, ainsi que le réal monstrueux de Payback, on s'attendait à du gros budget, donc à une reconstitution magnifique du Londres des années 60. Au final, on écope d'un petit film, certes élégant dans sa reconstitution, mais par moments limite chipouille, qui s'ébat entre un vieux club surexploité et quatre murs en briques de l'East End. J'ai vu qu'ils l'ont tourné pour pas grand chose en 30 jours. C'est filmé contre les murs en briques, et tu vois que ça camoufle un peu et qu'il n'y a pas beaucoup moyen pour le faire, donc déjà c'est déstabilisant. Deuxième surprise, en termes de structure narrative, puisque le biopic se plie en apparence aux conventions inhérente au film de gangster, le fameux rise and fall propre à ce genre particulier, à tel point qu'on aurait pu imaginer n'importe quelle figure fictive à la place des frères Kreese. Sauf qu'entre une imagerie rétro perçue de manière fantasmatique, mais qui ici n'aura jamais le glam de Mad Men, et un déroulement narratif galvaudé, le film vrille à la pantalona cartoonesque, voire à l'hystérisation d'une violence grand guignol dès que les frères Kreese s'affrontent. T'en as un, c'est le beau gosse qui est plus ou moins raisonnable, entre guillemets, où tu te dis lui, il a conscience qu'il faut faire les choses comme ça pour réussir à faire ça, et son frère qui est un psycho mais total, qui mériterait d'être à l'asile, et qui part en sucette, et le frère essaie de le contrôler sans y arriver, et puis il y a des moments, c'est un clash entre les deux, et ça se fout sur la gueule violemment, et là, ça vrille, il y a de la pantalonnade, je veux dire, tu te marres, tu regardes la scène, tu te dis,
C'est du cartoon. Et du coup, c'est... En termes de rupture de ton, c'est vachement déstabilisant. Cela aura suffi pour que les premières réactions au film évoquent une hésitation du réalisateur qui serait incapable de choisir entre la série B grossière et la fresque noble. Mais non d'une bite en bois, c'est justement cette dichotomie, cette rupture de ton entre l'image fantasmée du film de gangster classique et ses excroissances dégénérées qui font le sel et le sens du film, le lien ambigu qui lie les deux jumeaux, contaminant autant l'imagerie du film de gangster que son écriture. Ah, salut, come to Philadelphia. I see a nice girl. We'll get her for you. I prefer boys. Deux jumeaux, chacun à multiples facettes, qui portent dans leur relation le dynamitage des conventions auxquelles ils aspirent. Un paradoxe qui questionne la moralité des personnages, la nôtre, comme la notion même de morale. Contrairement au précédent film évoquant les frères Craze, Helgeland choisit comme point de vue celui de la femme de Reggie Craze, fausse ingénue discrète à la morale conformiste portée en étendard, mais dont la perception de l'histoire et de son déroulement la rend tout aussi ambiguë que les deux hommes qu'elle juge. Au final, et malgré des frères Craze par instants indéfendables, Legend est un appel à justement dépasser nos jugements péremptoires à l'aune des codes moraux et des fantasmes qui nous ont construits et qui par essence ne peuvent être unanimes. Je savais pas trop quoi en penser la première fois, le film est... Et plutôt fun en plus, il te met toute cette musique pop des 60s, c'est que des tubes que tu connais, donc il y a un côté cool, mais en même temps les personnages sont tellement pas cool que c'est pas cool. T'es tiraillé entre une émotion et une autre en permanence. Donc c'est très perturbant, et tu remates le film une deuxième fois, et là du coup tu t'intéresses un peu plus à ce qui se dit dans des scènes vaguement plus anodines, et là tu fais ouais mais en fait, c'est super bien pensé, la façon dont ils gèrent les deux Tom Hardy, et leur relation, je parle même pas techniquement, le split screen, comment les deux frères et la question de la moralité se posent par rapport à leurs multiples facettes. Et ils ont multiples facettes, et c'est ça qui est vachement bien traité dans le film. L'air de rien. Vas-y, tu peux leur faire. L'air de rien. Legend ne serait-il pas l'anti-film rétro par excellence, un vrai trip de sale gosse qui rappelle aux fans nostalgiques de tout poil, qui se construisent sur un rêve en rêvant d'y revenir, que le retour perpétuel au fantasme est aussi schizophrénique que les personnages qu'il met en scène. Et là, je ne sais pas pourquoi je parle si lentement tout d'un coup. À méditer. Bon, tout va bien. Voilà, opération frisson, c'est terminé. Spotlight, dont tout le monde va parler. On va vous dire que vous êtes un gros naze si vous n'allez pas le voir. Et bon, allez le voir, donc, pour vous faire votre propre opinion. Legend, c'est une petite curiosité qu'on t'a crie, vous l'aurez tous déjà vu. Alors, sur ce, je vous laisse avec la magnifique chanson massacrée par nos soins de téléphone. Quelque chose en toi ne tourne pas. Quelque chose en toi ne tourne pas. Magnifique chanson. Moi j'aime bien. Moi c'était ma jeunesse ça, moi mec. C'est rétro, c'est nostalgique, c'est mon doudou mec. Tu vois, qu'est-ce que je te dise?